Bienvenue dans ma chaîne YouTube, je m'appelle John. Avec une caméra à la main, je me permets de partir faire le tour du continent africain. Il est temps de continuer cette belle aventure. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mes chers internautes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis à Yopougon, à la gare Jesco de Yopougon à destination de Yamoussoukro. Restez connectés à Aerotech Télévision. A tout de suite. De venir visiter ces villages qui étaient transformés en grandes villes, surtout en grande capitale politique, par l'ex-président, le feu président Oufette Boigny. Nous aurons non seulement à découvrir Yamoussoukro, mais aussi nous ferons un tour vers Toumoudi, qui est un district de la Côte d'Ivoire situé à une demi-heure en voiture de Yamoussoukro. À tout de suite. Thank you.
Ça pousse partout comme des petits pains. Et là, je suis à Yamoussoukro.
Il nous reste environ un quart d'heure. Et puis, donc, on va vous faire visiter la ville de Toumondi, qu'on découvrira tous ensemble, puisque je n'y ai jamais été. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve à Toumondi, à la descente du car. Merci. Une flèche de direction qui indique Djikapounou. Et puis un peu plus loin, il y a marqué Yamoussoukro. Sur les panneaux un peu plus loin, il y a marqué la distance qui nous sépare de Yamoussoukro. Donc, pourquoi nous sommes à 29 km de Yamoussoukro. Donc, nous sommes à Toumondi, à 29 km de Yamoussoukro. Et un peu plus loin, nous avons des bus qui viennent de partout. Ici, nous sommes à 30 km environ de Yamoussoukro et regardez l'état de route. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de la Côte d'Ivoire. Regardez-moi comment les autorités aiment ce pays. Regardez-moi, je ne suis pas à Abidjan, mes chers amis. Nous sommes dans un village situé à 30 km de Yamoussoukro. Regardez-moi la beauté de route. Et là, un peu plus loin, on pouvait voir que vers la gauche, il y a un hôtel appelé Hôtel Mandela. Donc, en mémoire au leader de l'apartheid, Nelson Mandela. Nous allons découvrir au cours de cette balade comment vivent les habitants de Toumondi. Qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter à Toumondi? Vous allez remarquer, mes chers internautes, que je ne suis pas au centre de Yamoussoukro. Yamoussoukro, comme vous le savez bien, c'est le village natal d'Oufet Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui a été transformé en capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette capitale politique, mes chers internautes, vous allez la découvrir avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter? Quels sont les sites touristiques à visiter à Yamoussoukro? Mais avant d'arriver là, je vais vous faire visiter Toumondi puisque j'avais des démarches à faire dans cette petite localité située à 30 km de Yamoussoukro. Et une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, donc on ira à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, où nous visiterons la cathédrale Saint-Pierre de Yamoussoukro. Nous visiterons le palais présidentiel de Yamoussoukro. Nous visiterons l'île au Caïman de Yamoussoukro. On se dit à tout de suite pour la suite de notre balade à Toumondi. Merci.
derrière moi, vous avez la résidence de l'ancien président Oufet Boigny, qui reste toujours occupé par sa famille biologique. Et donc, c'est tout un village. Donc là-dedans, il y a des cimetières de tous les membres de sa famille. Voilà. Donc là, je continue à visiter. À visiter le lac Okaïma. Donc ça, c'est le lac Okaïma. Lac Okaïma, comme vous pouvez le constater, il y en a un juste. Oh, il y en a deux même. Mais ils ont du mal à bouger. Ils ont du mal à bouger, je ne sais pas pourquoi, parce que quand ils arrivent à un endroit, ils ne bougent plus beaucoup. Alors, vous voyez. Ah, en cas de spécialement mort.